Il est difficile de montrer au cinéma l'impact que le développement psychologique d'un personnage peut avoir sur son environnement, surtout lorsque l'on investit un genre qui joue beaucoup là-dessus. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui adore montrer des héros sur la planche, proches de tomber dans la folie, mais qui restent tout de même dans une forme de sainteté d'esprit. James Wan est un réalisateur d'origine malaisienne qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 16 ans. Il a littéralement explosé dès son premier long métrage, ce qui aurait pu laisser la place à un parcours personnel et professionnel déjà tout tracé, que Wan n'a jamais respecté, allant toujours là où on ne l'attendait pas forcément, afin de livrer des films rendant hommage aux figures qui l'ont inspiré, ainsi qu'en cherchant à marquer d'une empreinte indélébile la production audiovisuelle. Cela, il a décidé de le faire en investissant un genre qui est aujourd'hui assez galvaudé et bâtardisé, l'épouvante, mais dans ce que celle-ci a de plus viscéral et surtout de plus iconique. Car même lorsque celui-ci cherchera à investir des genres comme le thriller ou l'action, il parviendra tout de même à y inclure des éléments de ce cinéma. C'est ainsi qu'au fil de ses longs métrages, il a toujours lié ses héros par le biais de la famille, de leurs amis, ou même d'une représentation symbolique et mentale de la peur de se retrouver seul et de devoir affronter le monde sans aide et sans soutien. Chacun de ses films montre des personnages en pleine crise identitaire qui voient leur quotidien remis en cause de manière brutale ou plus complexe et longue et qui vont devoir accepter de se battre pour cela afin de ne pas tomber dans les méandres de l'oubli. Ainsi, James Wan montre une forme de devoir de mémoire, comme si ses personnages, au-delà de la crainte de se voir rongés par le passé, avaient encore plus peur de son impact sur le futur. Allant de la violence d'un homme cherchant à remettre en cause les fautes de ses victimes, jusqu'à des familles cherchant à protéger leurs enfants, Wan est passionné par la protection du cocon intime et personnel. C'est en cela qu'il a réussi à conquérir le monde entier, avec un cinéma qui pourtant, sur le papier, correspond à un public de niche, les fans de cinéma d'épouvante et les amateurs d'œuvres de genre pur et dur. Même lorsque celui-ci débarque dans un genre qu'il semblerait avoir du mal à maîtriser au premier abord, il parvient à s'en emparer pour y inclure cette thématique et ne pas simplement devoir comprendre un système pour s'y adapter, cela donnant ainsi lieu à des œuvres impersonnelles ou dépourvues de sens. C'est ainsi qu'un jeune auteur a su s'imposer auprès du grand public en traitant de la famille de manière profonde et réflexive, en ne s'arrêtant pas simplement au genre qu'il investit. L'horreur et l'épouvante se mettent alors au service d'un auteur cherchant à remettre en question à la fois la place d'un genre dans le cinéma et la place de la famille au cœur d'une œuvre cathartique. Profondément attaché à ses racines et terriblement passionné par le giallo italien et le cinéma de Hitchcock, Wan a su combiner les deux pour imposer des œuvres combinant l'élégance d'un savoir-faire, la force d'une référence solide et l'ingéniosité d'un auteur parvenant à saisir le spectateur par la gorge. Bien au-delà de simplement être un concepteur révolutionnaire de l'horreur et de la peur moderne, Wan est un jeune metteur en scène talentueux qui parvient à ne pas se limiter au genre qu'il investit, mais bien à en saisir une essence humaine qui fait de ses films des œuvres terrifiantes et cruellement humanistes. Plonger dans le cinéma de James Wan, c'est accepter de laisser la peur nous guider vers une forme de compréhension personnelle et intime du cinéma dans ce qu'il a de plus humain. Bien au-delà de simplement vouloir faire peur ou marquer, Wan cherche également à divertir pour faire réfléchir sur des modèles comme la famille, la protection, mais surtout, l'être humain face au danger.